Un ministre d'État par parti de la majorité, Raymond Barre cumule aussi les finances. Olivier Guichard revient, il est ministre d'État et garde des Sceaux. Il demande à Raymond Barre des négociations sur l'emploi et le maintien du pouvoir d'achat. Stupeur des Hollandais après la démission du Perse Bernard, mais la reine pour l'instant n'abdique pas. Des milliers de fruits à la décharge. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le suspense est terminé après deux jours de consultations, de rendez-vous, de coups de téléphone et de mise au point. Raymond Barre, le nouveau Premier ministre, a remis cet après-midi au Président de la République la liste complète, ministres et secrétaires d'État, de son gouvernement. Avec un peu d'avance d'ailleurs sur ce qui était prévu, si bien que le secrétaire général de l'Élysée, M. Poncet, a pu donner lecture dès 17h45, et vous l'avez peut-être suivi en direct sur Antenne 2, de la composition du nouveau cabinet. Un cabinet assez nombreux, avec des changements, vous allez les découvrir, surtout dans les postes de ministres, alors que ceux de secrétaire d'État restent assez stables. Mais voyons tout de suite l'annonce de ce gouvernement, il était très exactement 17h45 à l'Élysée. Conformément à l'article 8 de la Constitution, M. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, a nommé comme membre du gouvernement, sur la proposition du Premier ministre, Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, M. Raymond Barre, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Olivier Guichard, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Michel Poniatowski, ministre d'État chargé du plan et de l'aménagement du territoire, M. Jean Le Canuet, ministre des Affaires étrangères, M. Louis de Guiringot, ministre délégué auprès du ministre chargé de l'Économie et des Finances, M. Michel Durafour, ministre de la Défense, M. Yvon Bourges, ministre de l'Éducation, M. René Haby, ministre de la Coopération, M. Robert Gallet, ministre de l'Équipement, M. Jean-Pierre Fourcade, ministre chargé des Relations avec le Parlement, M. Robert Boulin, ministre de l'Agriculture, M. Christian Bonnet, ministre du Travail, M. Christian Belac, ministre de la Santé, M. Michel Dornano, ministre de la Santé, Mme Simone Veil, je m'excuse, ministre de l'Industrie et de la Recherche, M. Michel Dornano, ministre de la Qualité de la Vie, M. Vincent Ansker, ministre du Commerce et de l'Artisanat, M. Pierre Brousse, ministre du Commerce extérieur, M. André Rossi, secrétaire d'État aux Postes et Télécommunications, M. Norbert Segard, secrétaire d'État aux anciens combattants, M. André Bord, secrétaire d'État à la culture, Mme Françoise Giroux, secrétaire d'État aux universités, Mme Alice Sauniesset, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique, M. Maurice Ligot, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, M. Antoine Ruffnacht, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Département et Territoire d'Outre-mer, M. Olivier Stirn, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, M. Pierre-Christian Tettinger, secrétaire d'État auprès du ministre délégué à l'Économie et aux Finances, Budget, M. Christian Poncelet, secrétaire d'État auprès du ministre délégué à l'Économie et aux Finances, Consommation, Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Équipement, Transport, M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Équipement, Logement, M. Jacques Barrot, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, M. Pierre Méhaignerie, secrétaire d'État auprès du ministre du Travail, Travailleurs immigrés, Paul Dijoux, secrétaire d'État auprès du ministre du Travail, Conditions des travailleurs manuels, M. Lionel Stoléru,
secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé, Action sociale, Monsieur Lenoir. Secrétaire d'État auprès du ministre de la Qualité de la Vie, Jeunesse et Sport, Monsieur Jean-Pierre Soisson. Secrétaire d'État auprès du ministre de la Qualité de la Vie, Tourisme, Monsieur Jacques Médecin. Je vous remercie. Voilà, vous connaissez donc maintenant la composition du nouveau gouvernement qui ne manque pas de quelques surprises, mais pas trop tout de même, tant en ce qui concerne les personnalités qui entrent dans l'équipe de Raymond Barre que celles qui quittent purement et simplement le gouvernement. D'ores et déjà, il apparaît que ce deuxième ministère du septennat de Valéry Giscard d'Estaing sera plus resserré autour du président que le premier. Je vous propose, pour vous remettre en mémoire les visages et pour découvrir les nouveaux, de passer en revue ce gouvernement, ceux qui partent, ceux qui arrivent, ceux qui changent d'affectation, et vous devinerez ceux qui restent à leur poste. Voici d'abord ceux qui arrivent au gouvernement. Olivier Guichard, 56 ans, UDR, baron du gaullisme, l'un des plus proches collaborateurs du général de Gaulle, et l'un des ministres importants de Georges Pompidou, entre dans le gouvernement Barre comme ministre d'État, ministre de la Justice. Louis de Guiringot, 65 ans, majorité présidentielle, ambassadeur de France depuis 1972, représente la France à l'ONU. C'est un diplomate de grande renommée. Il succède à Jean Sauvagnargue au Quai d'Orsay. Robert Boulin, 56 ans, UDR, retrouve un portefeuille de ministre. Il a la charge des relations avec le Parlement, poste qu'il a déjà occupé en juillet 72 dans le gouvernement Messmer. Monsieur Boulin a été aussi à l'agriculture et la santé sous Georges Pompidou. Christian Belac, majorité présidentielle, c'est la première fois qu'il est ministre, portefeuille du travail. 52 ans, polytechnicien, Supélec, Sciences Po, c'est sans doute l'un des hommes les plus diplômés de France. Était jusqu'à présent directeur général de la régie Renault. Pierre Brousse, 50 ans, c'est son premier portefeuille, ministre du Commerce et de l'Artisanat. Sénateur maire de Béziers, a quitté les radicaux de gauche en janvier 76. Il personnifie l'ouverture au centre-gauche, prônée par Valéry Giscard d'Estaing. Maurice Ligot, secrétaire d'État à la fonction publique, 49 ans, ancien énarque, député-maire de Cholet depuis 1965, majorité présidentielle. Antoine Ruffenac, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, UDR. Ceux qui changent maintenant. Raymond Barre cumule les fonctions de Premier ministre et de ministre de l'économie et des finances. C'est une nouveauté qui s'explique par la lutte prioritaire contre l'inflation. Auparavant, Raymond Barre était ministre du Commerce extérieur. Jean Le Canuet, centre des démocrates sociaux, reste ministre d'État, mais chargé du plan et de l'aménagement du territoire, auparavant garde des Sceaux. Michel Durafour, radical, devient le bras droit de Raymond Barre pour l'économie et les finances avec le titre de ministre délégué, était ministre du Travail sous le gouvernement Chirac. Robert Gallet, UDR, remplace Jean de Lipkowski au ministère de la Coopération, était ministre de l'Équipement. Jean-Pierre Fourcade, RI, nouveau ministre de l'Équipement, quitte la rue de Rivoli, c'est-à-dire le ministère de l'Économie et des Finances. Vincent Ansker, UDR, était ministre du Commerce et de l'Artisanat, se retrouve à la Qualité de la Vie, à la place de M. André Fosset, qui quitte le gouvernement. Françoise Giroud, radicale, ne retrouve pas la condition féminine, fonction qui est supprimée, mais remplace Michel Guy à la Culture. Pierre-Christian Tétinger, républicain indépendant, passe du secrétariat d'État à l'intérieur au secrétariat d'État au ministère des Affaires étrangères. Jean-Pierre Soisson, RI, était à la formation professionnelle que l'on ne retrouve pas dans la nouvelle composition, et maintenant secrétaire d'État chargé de la jeunesse et des sports à la place de Pierre Mazeaud, qui n'est plus au gouvernement. Les ministres qui sortent du gouvernement. Jean Sauvagnargue, il quitte le ministre des Affaires étrangères. Jean de Lipkowski, UDR, était ministre de la Coopération. André Fosset, centriste, était ministre de la Qualité de la Vie. Michel Guy, sans étiquette, quitte le secrétariat d'État à la Culture. René Tomazini, UDR, était chargé des relations avec le Parlement. Gabriel Péronnet, président du Parti Radical, était à la fonction publique. Hélène Dorlac, RI, s'occupait de la condition pénitentiaire. Bernard Destremau, RI, quitte le secrétariat d'État aux Affaires étrangères. Pierre Mazeaud, UDR, n'est plus secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Paul Granet, UDR, était secrétaire d'État à l'environnement. Enfin, Jean Tiberi, UDR, venait récemment d'être nommé secrétaire d'État chargé des industries alimentaires. Voilà, un UDR pour 4 ministres, 9 sur 36, dont 5 à part entière. Ce n'est pas beaucoup, si l'on tient compte du fait que les gaullistes ont perdu Matignon il y a 2 jours et l'Élysée il y a 2 ans. L'UDR va en tirer la leçon demain matin en bureau exécutif.
tout ne sera pas négatif puisqu'elle garde au gouvernement des ministres de poids, Robert Gallet, Yvon Bourges. Elle y introduit Robert Boulin, l'animateur de la campagne de Jacques Chaban-Delmas, et puis surtout Olivier Guichard, premier des ministres d'État, premier devant Michel Poniatowski, ce qui est un signe. Olivier Guichard ne peut pas être un alibi, il a un prestige considérable dans l'électorat gaulliste. Donc, 9 UDR pour 10 républicains indépendants. La balance a basculé. Valéry Giscard d'Estaing a attendu 2 ans pour faire digérer les résultats de l'élection présidentielle. Mais ce qui est étonnant, c'est que les chabanistes ne font pas du tout les frais de l'opération. Au contraire, ils remontent même le bout du nez. En revanche, les chiracistes sont sanctionnés aux dépens des légitimistes. C'est le cas, par exemple, de René Tomasini. Et puis, troisième constatation sur l'équilibre politique, le renforcement du centre-gauche. Le président l'avait annoncé. Il n'a pas vraiment réussi de débauchage du côté de l'opposition. Nous reparlerons tout à l'heure du cas un peu à part de Pierre Brousse. Mais la gauche de la majorité est honorée, avec par exemple la promotion de François Giroud à la culture. En revanche, le CDS de Jean Le Canuet fait peau de chagrin. Il fallait faire de la place aux radicaux et ce soir, les centristes sont amers. Voilà pour les premières réflexions politiques. Il faut y ajouter 2 ou 3 petites notations techniques. Il n'y a plus, on vous l'a dit, de porte-parole de portefeuille de la condition féminine. Apparemment, l'année de la femme, c'est bien fini. Plus de conditions pénitentiaires non plus. Et puis surtout, plus de ministère de l'information. Et là, je crois qu'il faut y voir la mise en place de structures à l'américaine, peut-être d'un porte-parole politique à l'Élysée. Le reste sera du ressort de François Giraud. Puis il y a cette étonnante organisation de l'ensemble économique, social et financier avec un super patron, Raymond Barre, en personne, puisqu'il empoche aussi les finances. On n'avait pas vu pareil cumul depuis la 4e République. À ses côtés, un ministre délégué, Michel Durafour, qui sera peut-être un petit peu gêné aux entournures. Voilà donc davantage le changement que la continuité. Cette loi, ce n'est pas un réaménagement, ce n'est pas un remaniement, c'est un gouvernement nouveau. Tout repose sur les épaules de Raymond Barre, lui-même tenu politiquement à bout de bras par Valéry Giscard d'Estaing. Aujourd'hui, plus que jamais, le président est en première ligne. Cela a des avantages, cela a aussi des inconvénients. Le nouveau gouvernement se réunira demain matin à 9h30 à l'Élysée sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Dans l'après-midi, M. Raymond Barre, le Premier ministre, donnera une conférence de presse, c'est en tout cas ce qu'il a déclaré, sur le perron de l'Élysée après la lecture de la composition de son cabinet. Et à une question sur le rôle de M. Guichard, pour savoir notamment s'il serait le coordonnateur de la majorité, le Premier ministre a répondu ceci. M. Guichard est ministre d'État, garde des Sceaux, c'est tout. Pourtant, la surprise, on vient de le voir, ou plus exactement, car son nom a été prononcé depuis quelques jours, l'événement de ce remaniement, c'est bien le retour d'Olivier Guichard, gaulliste, collaborateur et ami de Georges Pompidou, dignitaire de l'UDR, mais proche intellectuellement de l'Élysée. Olivier Guichard apparaît dans ce nouveau gouvernement comme l'homme charnière, celui qui, d'une certaine manière, aura pour tâche de coordonner avec le Premier ministre la majorité et surtout d'assurer au chef de l'État le soutien actif et loyal du mouvement gaulliste. Olivier Guichard, 56 ans, est un gaulliste de la première heure. Sa longue collaboration directe avec le général de Gaulle, son amitié solide avec Georges Pompidou, lui ont valu sans conteste le titre de baron du gaullisme. Olivier Guichard aime la politique. « Jamais je n'ai eu envie de faire autre chose », dit-il un jour. Maire de la Baule depuis 15 ans, il sera d'abord premier magistrat de Néac, en Gironde, commune où il est né. Il sera élu député de la Loire-Atlantique en 1967, constamment réélu depuis. M. Guichard est membre du bureau exécutif de l'UDR depuis novembre 1973. Olivier Guichard est considéré comme un homme de confiance, du concret et de la continuité. Il dirige dès 1947 le secrétariat particulier du général de Gaulle, alors président du RPF. Lors de la traversée du désert, il est auprès du général. En 1962, Georges Pompidou entre à Matignon et Olivier Guichard devient son éminence grise. Il est également délégué général à l'aménagement du territoire. Il lui faut attendre 1967 pour devenir ministre. Il se voit confier alors l'industrie, puis l'année suivante, l'aménagement du territoire dans le cabinet Couve de Murville qui émerge des événements de 68. La tempête de 68 passée, Olivier Guichard succède à Edgar Faure au ministère de l'Éducation nationale le 22 juin 1969 avec mission de calmer les esprits. Sans bruit, il fait passer quelques réformes. Jusqu'à la mort du président Pompidou, les fonctions ministérielles d'Olivier Guichard tourneront toujours autour de l'équipement et de l'aménagement du territoire. En 1974, il devient ministre d'État. Dès le début de la campagne présidentielle,
Il se range aux côtés de Jacques Chaban-Delmas et se charge de rassembler les élus locaux favorables à la candidature du maire de Bordeaux. Depuis l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, Olivier Guichard ne faisait plus guère parler de lui. Cependant, à la fin de l'année dernière, le chef de l'État lui a demandé de présider la commission d'études sur les collectivités locales, domaine qu'il connaît particulièrement bien. C'est aujourd'hui l'homme politique qui fait une entrée remarquée au gouvernement de M. Raymond Barre. L'homme de la politique économique de Valéry Giscard d'Estaing pendant ces deux années passées, c'était Jean-Pierre Fourcade, vous le connaissez bien. Il a incarné autant la volonté du gouvernement de redresser l'économie que les souhaits du président de la République en matière de réforme. Aujourd'hui, pour cette nouvelle étape, et notamment la lutte contre l'inflation, c'est un véritable cabinet de guerre qui a été constitué, avec pour la première fois depuis bien longtemps ce cumul des fonctions de Premier ministre et de ministre des Finances et un ministre délégué, M. Michel Durafour, auprès de ce Premier ministre. Jean-Pierre Fourcade désormais s'occupera de l'équipement. Son changement de fonction constitue tout de même l'un de ces événements de ce remaniement. Je pense que nous pouvons revoir maintenant avec intérêt quelles ont été les principales étapes de son action, ses faiblesses et ses points forts. Le partant des finances, Jean-Pierre Fourcade, est peut-être le prototype de ce que l'on appelle en France un haut fonctionnaire au service de l'État. À 23 ans, il rentre à l'École nationale d'administration et tout de suite après sa sortie de l'ENA, il pénètre le sérail de la haute administration. Par un coup de téléphone, le 28 mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing lui demande d'être son ministre de l'économie et des finances. En sa qualité de grand économiste, il est nommé rue de Rivoli pour lutter d'abord contre l'inflation. Et dès sa première conférence de presse, avec une franchise abrupte et parfois cassante, il donne le ton, il est aux finances pour servir la politique du chef de l'État. Par l'élection du président de la République, les Français n'ont pas simplement exprimé un choix, mais aussi des ambitions. Ces ambitions, le gouvernement, sous la conduite du président de la République, doit aujourd'hui les réaliser. Et la tâche particulière du ministre de l'Économie et des Finances consiste à donner à la France les moyens de sa politique. Sa tâche n'est pas facile. En 1974, l'économie française est dans un piètre état. Les prix augmentent de 1,5% par mois. Le déficit extérieur est considérable, plus de 4 milliards en 3 mois. Alors, Jean-Pierre Fourcade décide de lancer son plan de refroidissement de l'économie. Il se fixe deux objectifs. Ramener avant fin 1974 la hausse des prix à moins de 1% par mois. Ensuite, faire disparaître avant fin 1975 le déficit du commerce extérieur. Les événements qui suivent démontre qu'il a fait deux erreurs d'appréciation. À la fin de l'année dernière, quand même, les signes de reprise apparaissent. Les industriels essaient d'y croire, ils investissent timidement, mais en parallèle se déclenche la grande bataille de l'imposition des plus-values. Enfin, cet été, le dollar frôle les 5 francs, c'est un signe, le signe que Jean-Pierre Fourcade n'a pas gagné. Autre demi-surprise, demi, car on penche toujours entre l'événement attendu et l'événement arrivé, c'est la nomination au poste de ministre du Commerce et de l'Artisanat du sénateur-maire de Béziers, Pierre Brousse, qui il y a encore 5 mois était membre à part entière du mouvement des radicaux de gauche de Robert Fabre. C'est donc, si vous voulez, la concrétisation de cette fameuse ouverture au centre-gauche, souhaitée et annoncée par le président de la République, et pour la première fois réussie. Vous savez que j'ai toujours, et cela depuis 1958, était opposé à la division de la France en deux, parce que je crois effectivement que c'est une mauvaise chose. Je crois que dans le monde actuel, dans le monde moderne qui est dangereux, il est nécessaire pour franchir les passes difficiles qu'il y ait le maximum de consentement de la nation. Et je ne crois pas que diviser la France entre les bons et les mauvais soit une formule commode, ni une formule d'avenir. Et je crois que dans certaines circonstances, ça peut même être très dangereux. Depuis le Conseil des ministres de mercredi, depuis très exactement 11h30 ce mercredi, heure de l'annonce officielle de la démission du gouvernement Chirac, l'ancien Premier ministre expédiait, comme l'on dit, les affaires courantes. Il a réuni ses collaborateurs pour les remercier, mis en ordre ses archives, transféré ses dossiers personnels dans des bureaux qu'il a loués face à l'Assemblée, à Paris, et surtout, il a préparé pour son successeur des notes précises sur toutes les grandes affaires en cours. Quant au nouveau Premier ministre, eh bien lui, il a passé ses 2 journées à recevoir les anciens membres du gouvernement et à choisir les nouveaux. C'était la période transitoire obligatoire, mais ce soir, le pouvoir a changé de main. La passation de ses pouvoirs traditionnels a eu lieu à 19h, suivie, comme vous allez le voir, de la non moins traditionnelle poignée de main sur le perron de Matignon entre celui qui part et celui qui arrive.
19h viennent juste de sonner lorsque M. Raymond Barre pénètre dans l'antichambre du bureau qu'il occupera désormais à l'hôtel Matignon. C'est un Jacques Chirac très souriant qui accueille le nouveau Premier ministre pour la passation officielle des pouvoirs, une cérémonie après laquelle seulement M. Raymond Barre entrera véritablement en fonction. Moins de 5 minutes plus tard, les deux hommes ressortent et c'est au tour de M. Barre de reconduire son nom. Attendez un peu. Jacques Chirac, avant de partir, dira à son successeur « Je pars sans amertume et ma tristesse est atténuée parce que c'est vous pour qui j'ai de l'estime et de l'amitié. Pour mon pays, je souhaite que vous réussissiez », a conclu l'ancien Premier ministre. Eh bien, dès demain matin, donc, le nouveau gouvernement va se réunir. Réunion qui sera marquée par un coup de tonnerre. L'indice des prix de juillet est mauvais. Dans les 1% de hausse par rapport au mois de juin, c'est un signe et un signal. L'économie française est malade de l'inflation. Il faut agir maintenant et agir vite. Ce sera donc la première tâche du gouvernement, tâche tellement urgente que Raymond Barre, qui prend en main l'économie et les finances, pourrait bien décider rapidement, à la manière d'Antoine Pinet en son temps, des mesures sur les prix et les revenus, à commencer bien sûr par les salaires, mesures draconiennes à caractère provisoire et qui s'apparenteraient à un blocage. Le temps de se concerter avec les représentants des forces sociales et aussi et surtout peut-être de convaincre directement l'opinion publique afin d'une part d'obtenir la neutralité des syndicats et d'autre part l'adhésion personnelle des citoyens sur un plan à plus long terme de modération des prix et des revenus. Outre le budget, un budget difficile, outre les mesures en faveur des agriculteurs, 3 autres dossiers attendent les ministres. 1. La réforme de l'entreprise. Le Conseil d'État s'apprête à donner sur les aspects de cette réforme son ultime avis. 2. La simplification des régimes d'allocation familiale pour que la vie des mères de famille soit améliorée. 3. L'ensemble des aides aux personnes âgées. Il faut que chaque personne âgée perçoive ce à quoi elle a droit. On en est loin actuellement. Sur ces 3 points, le président de la République entend que des réformes profondes et complètes et concrètes interviennent dès 1977. Raymond Barre, dont les responsabilités vont être écrasantes, aura comme tout nouveau Premier ministre 6 mois pour s'imposer et réussir. 6 mois pour faire oublier Jacques Chirac. Le handicap sera dur à remonter selon un sondage que publiera demain le Nouvel Observateur. 83% des électeurs de la majorité considéraient Jacques Chirac comme un bon Premier ministre et 60% regrettent aujourd'hui son départ. La Bourse de Paris est restée stable aujourd'hui, aucun mouvement sensible ni dans un sens ni dans l'autre. Vous savez que depuis la nomination de Raymond Barre à Matignon, la réaction des milieux financiers et boursiers est plutôt favorable. Une réaction politique qui était attendue, celle de M. Michel Debré, qui a indiqué à France Inter que Jacques Chirac avait eu raison de partir puisqu'il n'était plus d'accord avec le président de la République. Mais Michel Debré a eu aussi des propos très, très élogieux pour le nouveau Premier ministre. Un homme, je cite M. Debré, un homme qui mérite amplement, non seulement par ses qualités économiques, mais aussi par son caractère, un homme qui, lorsqu'il était à la Commission de Bruxelles, a toujours défendu des orientations que le général de Gaulle n'aurait pas démenties. Hier, François Sérac, pour Antenne 2, rappelait que, quelle que pouvait être la composition du nouveau gouvernement, les priorités restaient les mêmes, à savoir la lutte contre l'inflation et la consolidation de la reprise économique. Ce soir, c'est au tour d'Edmond Maire, le secrétaire général de la CFDT, de nous dire comment il voit la rentrée placée sous le double signe du changement d'équipe gouvernementale et de la volonté affirmée par le président de la République et le nouveau Premier ministre de mener une lutte prioritaire et efficace, si possible, contre l'inflation. Monsieur Barre se présente avec les mêmes objectifs que Monsieur Sérac, les prix et la monnaie. Nous n'avons pas entendu parler du chômage et de l'égalité sociale. Et nous craignons fort que, dans la continuité de la même politique, on veuille défendre les prix et la monnaie en s'attaquant à nouveau aux travailleurs, à leur pouvoir d'achat et à leur emploi. Par rapport aux problèmes économiques et sociaux du moment, à votre avis, qu'est-ce qui peut changer avec le nouveau gouvernement ou pas? Bien, on a présenté M. Barre dans l'opinion comme quelqu'un se présentant sous le signe de l'austérité et de la fermeté. Ben, nous dirions que pour nous, nous voulons savoir si M. Barre considère les syndicats
comme des interlocuteurs naturels et obligatoires, ou bien si, à la manière gaulliste, il va tenter de passer par-dessus les organisations des travailleurs en s'adressant directement au peuple. C'est ça l'important. Dans l'immédiat, allez-vous tenter une démarche auprès du nouveau Premier ministre pour tenter de régler par la négociation un certain nombre de problèmes en suspens? Nous allons faire un test. Nous avons décidé à la CFDT ce matin d'écrire au nouveau Premier ministre pour lui demander d'entamer les négociations avec nous, d'une part, sur la question du pouvoir d'achat, en instituant une augmentation prioritaire du SMIC, des prestations familiales et des prestations des personnes âgées, en même temps en s'attaquant par la fiscalité aux revenus les plus élevés, en réduisant l'éventail hiérarchique dans les conventions collectives et aussi en instaurant, enfin, la négociation des salaires réels dans l'entreprise privée. Et puis, parmi nos autres dossiers, nous voulons discuter de l'emploi. Est-ce que, oui ou non, on va laisser faire les investissements privés sans contrôle, c'est-à-dire des investissements d'économie de main-d'œuvre qui aggravent le chômage? Est-ce qu'on va enfin réduire la durée du travail et avancer l'âge de la retraite? Edmond Maire, quel délai vous donnez-vous pour juger le nouveau gouvernement? Bien, vous savez, nous sommes en régime présidentiel. C'est la même politique qui va être suivie, à l'évidence. M. Giscard d'Estaing l'a dit et clairement. En conséquence, notre action n'a pas de raison de s'arrêter, mais nous sommes toujours prêts, ô combien, à accepter un changement d'attitude du gouvernement et à négocier avec lui. Les fédérations CGT et CFDT des cheminots ont déposé un préavis de grève concernant les agents de conduite pendant la période du 1er au 6 septembre, avec, précise-t-elle, un point fort de leur action le vendredi 3 septembre. Ce mouvement a pour but, disent-elles, d'imposer l'abrogation d'un nouveau grade de conducteur et l'ouverture de réelles négociations en présence de toutes les organisations syndicales. France Soir reparaît aujourd'hui. Selon la résolution adoptée par l'Assemblée générale des journalistes et acceptée par Paul Vinclair, copropriétaire du journal, la responsabilité de la gestion courante sera seule assurée pour une période d'un mois par Désiré Godine, administrateur général, qui a, semble-t-il, toute la confiance de la rédaction. En outre, Désiré Godine prend l'engagement d'ouvrir des négociations avec les représentants de la rédaction sur toutes les mesures propres à garantir les intérêts matériels et moraux des journalistes, y compris de ceux qui envisageraient de quitter l'entreprise. Olga Moïsenko, la jeune fille enlevée à Grenoble fin juillet, serait toujours vivante. C'est ce qui ressort d'un message signé « Une fois encore les brigades rouges » et adressé hier au directeur du journal Le Meilleur. Dans ce message, l'auteur fixe un rendez-vous dans l'Isère à son destinataire. Contre une somme d'1 000 000 de francs coupure usagée de 50 francs, il promet de remettre la jeune fille en liberté et de lui apporter la preuve que les premiers otages de Grenoble, disparus depuis le 1er juillet, ont bien été tués. Henry Kissinger, de sources diplomatiques, aurait proposé à Libuto, Premier ministre pakistanais, une aide américaine accrue pour permettre au Pakistan de financer une partie de son programme nucléaire. Le secrétaire d'État américain aurait en échange demandé à Libuto de renoncer à commander à la France l'usine de retraitement de déchets radioactifs. Henry Kissinger aurait ajouté qu'il ne voyait aucun inconvénient à ce que plusieurs centrales nucléaires soient construites par la France au Pakistan, mais avec des crédits américains. Prince Bernard des Pays-Bas a donc été obligé de renoncer à toutes ses fonctions officielles à la suite de la publication du rapport de la commission sur le scandale des pots de vin de la firme Lockheed. Pour la commission, le comportement du mari de la reine Juliana a nui à l'intérêt de l'État et c'est aussi l'avis du gouvernement des Pays-Bas. Quant au prince, il a reconnu qu'il n'avait pas observé la prudence requise. Le prince consort va donc être maintenant un homme sans fonction officielle qu'on verra très peu et qu'on n'entendra jamais. Mais il n'est pas dit que la reine Juliana restera sur le trône très longtemps. Elle souhaiterait, dit-on, abdiquer au printemps prochain en Hollande. En tout cas, l'opinion publique a ressenti le dénouement de ce scandale avec infiniment de tristesse et d'émotion, car les habitants des Pays-Bas sont extrêmement attachés à leur souveraine. C'est donc ici au Parlement de La Haye qu'hier soir, le Premier ministre hollandais a fait éclater la bombe politique. Le prince Bernard, mari de la reine Juliana, est gravement impliqué dans l'affaire des pots de vin versés par la société américaine Lockheed. Bien sûr, les rumeurs circulaient depuis bientôt un an, mais les Hollandais n'osaient trop y croire.
Aujourd'hui, le verdict est tombé comme un couperet et sans appel. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé hier soir? C'est une chose tragique. Une chose tragique? Oui. Pour quelle raison? Parce que le prince Bernard, il a fait beaucoup de choses pour la Hollande. Depuis 30 ans, depuis la guerre, il était un ambassadeur excellent pour la Hollande. Mais il a quand même touché des pots de vin, c'est quand même... Peut-être. Vous pensez que la reine Juliana va abdiquer? Non, je ne crois pas. Ça, je ne crois pas. C'est-à-dire pas à ce moment. C'est une commission de trois sages qui a enquêté. Son rapport, divulgué hier, est déjà en vente dans toutes les librairies. 250 pages, tous les détails, toutes les compromissions, les lettres échangées entre le prince Bernard et la société Lockheed. Cependant, le rapport n'indique pas clairement que le prince ait touché directement de l'argent de la société américaine, quelques 5 millions de francs. Le rapport indique tout simplement, et c'est sans doute suffisant, le prince s'est conduit d'une façon légère et s'est présenté à la commission, chargée de l'enquête, sous une lumière douteuse. Les hommes politiques, eux, ne pensaient pas que l'enquête irait aussi loin. Ils ont été surpris, c'est incontestablement un signe de santé pour la démocratie hollandaise, qui vit elle aussi son Watergate. C'est pour nous peut-être pas mal ce qui s'est passé, mais à l'autre côté, pour les partis qui sont très loyales envers la monarchie et la famille royale, non plus, c'est non plus très mal pour eux. Mais en général, je crois que la plus grande partie du peuple et des partis politiques aussi sont très contents de ce que le gouvernement a fait. Le prince Bernard a démissionné de toutes ses fonctions, une multitude incroyable de fonctions, un exemple parmi d'autres. Le prince était conseiller principal de la compagnie d'aviation hollandaise KLM. Facile à ce poste clé d'orienter le choix de la compagnie vers tel ou tel type d'appareil, moyennant quelques gratifications substantielles. Autre exemple, le prince Bernard était inspecteur général des forces armées. Facile aussi à ce poste de décider seul que l'armée hollandaise serait équipée de l'avion Lockheed, les fameux Starfighter. Voilà pour la partie la plus visible de l'iceberg. Le reste, on le saura peut-être plus tard. Le Premier ministre a dit très clairement hier que la reine reste. Bon, maintenant, pour combien de temps, j'en sais rien. On dit généralement qu'elle restera encore un an et qu'après, elle abdiquera. Voilà, après les élections. Elle abdiquera après les élections en disant que c'est l'âge de la retraite, etc. Ce scandale sans précédent éclabousse le blason de la Maison d'Orange et toute la Hollande. Mais un peu à l'image de ces villes sages, cossues et sans histoire, le prince Bernard voudrait bien que toute cette affaire finisse très vite. Seule déclaration du prince après le rapport qui l'accable, j'aimerais regagner la confiance du peuple néerlandais. À Seveso, en Italie, on essaie toujours de lutter contre les conséquences dramatiques dans la zone interdite depuis que le nuage toxique s'est répandu accidentellement, vous en souvenez, le 10 juillet. Des expériences nombreuses sont tentées, apparemment jusqu'en présent elles sont vaines, et un rapport accablant n'arrange pas le climat psychologique qui règne dans le nord de l'Italie. Selon l'inspection du travail, en effet, la zone industrielle de Milan est une véritable poudrière où peuvent se produire 10, 100 et pourquoi pas 500 Seveso si rien n'est fait pour renforcer la surveillance et la sécurité. Les techniciens suisses sont arrivés à Seveso avec l'interdiction formelle d'expliquer le procédé utilisé et de montrer comment il fonctionne. Et comme ils vont travailler dans une zone interdite, pas question de les suivre. Qu'est-ce que vous allez faire là maintenant dans la zone A? J'ai dit, je parle pas. La société suisse, la Givaudan, a sans doute mauvaise conscience et puis il y a la peur que la décontamination ne soit pas aussi efficace qu'on le prétend. Un technicien italien a bien voulu donner quelques précisions. C'est un mélange contenant l'huile d'olive. Alors la dioxine passe en solution et par irradiation solaire va se décomposer. Au bout de combien de temps? Ah, ça, il faut voir, ça dépend du soleil. Est-ce que nous savons si cette méthode est efficace, réellement efficace? Oui, au laboratoire, ça marche très bien. Peut-on vraiment détruire la dioxine avec de l'huile d'olive et de l'eau? C'est à peine croyable et pourtant. L'émulsion sera projetée sur la végétation et les maisons et elle provoquera un phénomène tout à fait curieux. Il s'agit d'accélérer l'action dissolvante du soleil sur la dioxine. Alors qu'il faudrait 3 ans pour dissoudre la dioxine naturellement, cette émulsion permettrait en principe de la dissoudre en 2 ou 3 heures.
C'est un procédé qui n'a jamais été utilisé, tout simplement parce qu'on n'a jamais eu l'occasion auparavant de s'attaquer à de la dioxine pure. Au Vietnam, par exemple, il n'y avait qu'une faible quantité de dioxine dans les défoliants utilisés par les Américains. Il est temps d'espérer à Seveso. La population est en colère. On parle d'elle dans les journaux, à la télévision, tous les jours, mais rien ne se fait. Un millier de personnes est sans abri, sans travail aussi, par suite de la fermeture des industries de la zone contaminée. On ose encore faire de prévisions sur l'efficacité du procédé de décontamination. Mais de toute façon, rien ne sera plus comme avant. Peut-on demander aux gens de vivre de nouveau normalement là où s'est produite la catastrophe de Seveso? L'actualité, ce journal en a été, je crois, je pense en tout cas le témoignage le plus concret, l'actualité nous a fait un peu oublier depuis quelques jours que l'on est tout juste à la fin du mois d'août, donc pour beaucoup tout juste à la fin des vacances, et pour d'autres au commencement des leurs. Ce week-end et les quelques jours qui vont suivre vont être extrêmement difficiles sur les routes, comme à l'aller, c'est-à-dire comme au début du mois. La gendarmerie, la prévention routière vont mettre en place le plan Bison Futé avec ses itinéraires de délestage et ses conseils pour étaler les retours et les départs. En principe, la circulation très dense de ces 3 ou 4 jours ne sera pas perturbée par les producteurs de fruits du sud-est de la France. Pourtant, leur mécontentement est grand en raison d'une certaine mévente des fruits cet été due principalement, selon eux, aux importations italiennes. Ce malaise s'est même traduit par quelques actions sérieuses, comme il y a 15 jours l'attaque d'un train en provenance d'Italie en gare de Culose par une trentaine de producteurs. Trop de fruits, trop d'importations, des coûts de production trop élevés ou des prix mal calculés. Essayons d'y voir un peu plus clair. Ces pêches sont bonnes à la consommation et pourtant nous ne les mangerons jamais. Dans la Drôme et l'Ardèche, environ 35 000 tonnes de pêches ont été déversées dans des fosses comme celle-ci. Oh, c'est rien ici, il y en a encore 3 endroits, un à Châteauneuf, un à Tain et un autre à Saint-Marcel. Et ils s'en déchargent encore autant, même peut-être plus. Mais alors pourquoi vous ne les laissez pas pourrir sur là? Pourquoi vous les amenez dans les trous? Parce qu'on les ramasse et l'État nous paye les plus petites à 58 centimes le kilo. Ils contrôlent le poids que vous avez? Oui, il y a des contrôleurs qui passent et on amène nos remorques, des contrôleurs qui passent et ils nous disent si c'est bon, s'ils nous l'acceptent. Et après on les jette dans les trous et on les enterre. Pourquoi? Deux raisons. Tout d'abord, la récolte. Cette année, elle est bonne. La sécheresse a favorisé l'arboriculture. Mais comment réduire la production, nous ont demandé les agriculteurs. Un arbre, ce n'est pas une machine dont on peut varier la cadence. L'année dernière, par exemple, il n'y en avait pas assez. Deuxième raison, les importations de fruits étrangers à des prix défiant toute concurrence. Les distributeurs achètent à l'Italie, à la Grèce ou à l'Espagne, négligeant les producteurs français. C'est catastrophique depuis, disons, le 16-17 juillet, quoi. Depuis l'entrée massive des pêches italiennes qui ont cassé le marché. Est-ce que je vais y arriver? Bah, je vais peut-être y arriver quand même, parce que j'ai fait un emprunt calamité, vous savez qu'on a eu droit à un emprunt calamité. Lequel viendra à échéance l'an prochain, donc ça me fait 15 mois de recul. Et puis de toute façon, mes parents y arrivaient, et mes grands-parents y arrivaient aussi, mais toujours, de toute façon, on y arrive toujours d'une certaine manière, hein. Ce que nous voulons, nous, c'est une rémunération par rapport à notre travail et par rapport à l'arboriculteur, et non pas une rémunération au kilo comme ça existe actuellement. Il faut que l'arboriculteur, il ait un volume d'arbres qui représente son travail de son année et que ce volume d'arbres représente son salaire. Pourquoi les fruits français sont-ils plus chers que les fruits italiens? D'abord, il y a le change. La lire dévaluée favorise l'entrée des marchandises italiennes. Ensuite, le gouvernement italien, ne respectant pas les règles communautaires, subventionne les producteurs de pêche. Enfin, les salaires des ouvriers agricoles sont plus élevés en France qu'en Italie. En 1938, avec 2 kilos de pêche, on payait le salaire d'un ouvrier, alors que maintenant, il faut 150 kilos de pêche pour payer le salaire journalier. Devant tant d'obstacles, on se demande pourquoi les agriculteurs de la vallée du Rhône ne changent pas leur fusil d'épaule. Beaucoup commencent à se tourner vers le tabac, mais le tabac, le marché n'est pas éternellement extensible. Il va y avoir saturation rapidement et bon, ben, le problème se reposera dans 2 ou 3 ans. Quoi. Et puis, de toute façon, reconversion, c'est un nouveau investissement, c'est changer de façon de travail, c'est un nouveau mode de vie, c'est apprendre un nouveau métier pour beaucoup. Faut-il refuser les règles du marché commun afin d'éviter la concurrence des pays de la communauté?
Non, bien sûr. Mais cette acceptation des règles du jeu ne doit pas se faire aux dépens de quelques-uns seulement. Rapidement, parce qu'il est déjà 20h40, rapidement un coup d'œil sur le temps pour terminer ce journal. Aujourd'hui, les températures sont restées stationnaires sur le sud du pays, mais ailleurs, elles étaient en baisse sensible. Demain, le temps sera variable et frais sur la moitié nord-ouest du pays. Les éclaircies alterneront avec les passages nuageux, parfois accompagnés d'averses. Les vents de nord seront assez forts sur les côtes. Sur la moitié sud-est de la France, le temps restera orageux. Les nuages seront abondants et parfois accompagnés de pluies importantes. Avec toute la rédaction d'Antenne 2, j'espère que nous avons répondu ce soir à votre curiosité avec cette édition du journal particulièrement longue en raison de l'actualité. Merci en tout cas de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et avant de vous laisser découvrir la suite de nos programmes, je vous propose de revoir les principaux titres qui ont dominé ce journal. Olivier Guichard, ministre d'État, garde des Sceaux, Raymond Barre également aux finances. Oui à la lutte contre l'inflation, mais n'oublions pas l'emploi et le maintien du pouvoir d'achat. Après la démission du prince, la reine attendrait quelques mois pour abdiquer. Non aux importations et organisons le marché. 22h40, le dernier journal présenté par Jean-Louis Le Seine.